Après 3 jours de deuil national, le Ghana célébrait jeudi les funérailles de Kofi Annan, décédé le 18 août dernier, à l'âge de 80 ans. Les dirigeants du monde entier s'étaient déplacés à Accra pour rendre hommage au secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006, prix Nobel de la paix en 2001. Antonio Guterres, l'actuel chef de l'Organisation mondiale, s'est recueilli devant le cercueil de son prédécesseur et salué devant l'Assemblée la mémoire de l'un des hommes les plus illustres de sa génération. Personnes s'étaient rassemblées dans l'auditorium du centre de conférence d'Accra avant que le cercueil ne soit transporté dans le cimetière militaire de la capitale ghanéenne pour un enterrement privé.